Hey, allô tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien comme d'habitude. Aujourd'hui, je m'en viens faire quelque chose de triste. Je m'en viens. Oups! Mettre la mauvaise affaire en place. On vient fermer ça. La maison Firaptor, il m'a dit officiellement qu'il quittait puis qu'il reviendra pas. On va s'ennuyer de toi, Firaptor. Tu faisais du bon poulet. C'est lui qui me nourrit depuis le début de Poutine Crasse. C'est lui qui me nourrit parce qu'il a fait la machine à poulet. Puis depuis ce temps-là, je mange du poulet de là. Je pense que tout le monde mange du poulet de là, ou la plupart du monde, ou bien du monde. En tout cas, moi j'en suis un. Tu faisais du bon poulet, mon vieux. Va s'ennuyer de toi, puis en ton honneur, quand. Fait que ça, on va mettre ça pour pas que n'importe qui, pour pas qu'il y ait de squatteurs qui viennent s'installer ici, puis viennent chercher les affaires. Je sais qu'il a légué les affaires à ma copine, Nidorak. Parce qu'il a dit que c'était la seule fille du serveur. Fait que j'y lègue les affaires à elle. Mais ça, il m'a dit ça avant qu'on ait des nouveaux arrivés sur le serveur. Que je vais parler d'ici quelques instants. Wow, Firaptor, quelle fortune! Ma blonde va être heureuse. Oh, il y avait du pactice. C'est vraiment un chaudron, des hoppers. Ma blonde n'a pas besoin de ça. Elle sait pas quoi faire avec ça. C'est à moi. Je le prends, c'est à moi. Ah. Je mets mon pied à terre. On a le quartz, ça peut-être qu'on aura besoin, je sais pas. Ouh. Ok, le reste, je n'ai pas besoin, je suppose. Ouh. Feather Falling Wand, Protection, Power. Est-ce quelque chose là-dedans? Let's go. Je n'ai pas besoin. Ouh. Ouh. Oh, jeez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, j'ai pissé un piton, ok. On va venir récupérer ça plus tard, je vous conseille pas avec ça. Ouais, aujourd'hui, il y a eu du changement sur le serveur. On va fermer ça. Ok. Faudrait mettre ça à vendre, hein? Je pense que. On va mettre maison à vendre. Ça va nous prendre un nouveau YouTuber, I guess. Maison. Oups, maison. Vendre. Oh, Breath of Fire! Ça va quand tu dans vendre. 5 $. T'es pas, monte en haut. 5 $ ou meilleur offre. Tiens, on va dire allô à Breath of Fire. Un des nouveaux, on a 3 nouveaux sur le serveur, ben 2 pour le moment, puis un troisième qui est supposé se joindre à nous autres sous peu. Première personne, c'est Breath of Fire, que je viens de dire allô là, ici en bas à gauche. Super, mon vieux. Oups, super. Et toi, c'est ça, fait que lui s'est joint à nous autres. Peut-être vous le connaissez, c'est un administrateur sur un modo sur Warcraft, Pixelmon, administrateur modo, je sais pas, je sais que c'est le builder, il construit beaucoup d'affaires là. Veux-tu qu'un Raptor, je vais prendre du poulet, du délicieux poulet de ta machine à poulet. Deuxième personne qui s'est joint à nous autres, ben, peut-être que vous avez déjà remarqué en regardant à droite dans la liste, deuxième du bas, Rina-chan, administratrice. La fille en chef, celle qui s'occupe du serveur Pixelmon. J'essaie de trouver des ressources pour ma maison. Vite! T'as 15 minutes. Tiens. C'est ça, Rinox s'est joint à nous autres aussi. La grand boubou du serveur Pixelmon Overcraft. Comment t'as dit ça? Dis-moi ça dans ma face. Dis ça à moi dans ma face. Oui, oh, il me le dit. Je t'agace. Ok, bon, je vais arrêter de parler avec lui. Je vais venir parler avec lui plus tard parce qu'il y a des problèmes. Sa femme est bien malade, hein, puis il me parlait de ça tantôt. C'est triste. Pas de nouvelles du cousin Willy. Il n'est pas passé. Sa bière est encore là.
Là, si je fais une maison en dirt, je trouve ça super beau. On va aller le filmer, on va le voir. Puis troisième personne qui va se joindre à nous autres, Thanos, un autre administrateur du serveur Overcraft, Pixelmon, celui que j'appelle communément le Père Noël. Très gentil monsieur, un peu spécial, je veux dire. Il se prend pour le Père Noël. Tu sais, j'ai pas inventé ce nom-là, Père Noël. C'est lui qui s'est présenté à moi, puis qui me dit, ouais, Chuck, non, moi je suis le Père Noël. Là, je suis pas vrai. Je pense que c'est une blague. Non, il est sérieux. Il pense qu'il est le Père Noël. Fait que c'est ça. Ces trois nouvelles personnes-là vont se joindre au serveur. Sont jointes au serveur. Ben deux sont connectés. Il y a juste Anot qui s'est pas connecté encore, mais ça s'en vient. On va aller voir. Breath of Fire, vite fait. Aujourd'hui, je vais continuer sur mon musée. J'avais continué, j'avais même un bout de vidéo avec Rina puis Britt. Malheureusement, mon son n'a pas enregistré. Le bout que j'ai enregistré avec eux autres n'a pas enregistré le son. Et après ça, j'ai commencé mon épisode, j'ai commencé. Et ça n'a pas enregistré non plus le son. Fait que j'ai fallu que je recommence. Fait que j'ai travaillé un peu sur. Ah ouais, ok, je comprends. Intéressant. C'est parce qu'il a enlevé les pancartes, j'avais mis en haut là. Ben oui. Ah, il a enlevé les pancartes, j'avais mis des pancartes pour identifier ses affaires. Des mots de gentillesse, il n'a pas appris ici la gentillesse, ça a l'air. Je sais pas où ce qu'il est, hein, ben c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Puis ici, ça va être la chère Rina qui va s'implanter. On voyait, elle a mis son nom. Elle a aussi marqué son titre. C'est une prêtresse du culte de Bieber. Pour ceux qui ne connaissent pas Justin Bieber, bien entendu. Sa chambre est couverte de posters de Justin Bieber. C'est fou raide. Écoute, je juge pas personne. Elle a le droit pis ça. Moi, même si je suis pas un fan de Justin Bieber, elle a le droit. Elle va bien s'entendre avec Aristo. J'arrête ça. Fait que ça, je vais lui montrer ce que j'ai fait hier. J'ai fait la présentation de la vidéo. Blablabla. Puis si, puis c'est ça. Puis là, je vais faire ça. Puis blablabla. Puis là, j'ai coupé pour aller faire ce que j'ai dit j'allais faire. Et c'est ça. J'ai fait ce que j'ai dit j'allais faire. Après ça, c'est ça. J'ai réalisé que ça ne va pas enregistrer. Puis là, j'ai découragé. J'ai dit qu'un jour, on va reprendre. On va passer par là-bas. Et on va se reprendre. Ah oui, j'ai creusé un petit tunnel ici. Ah oui, les fenêtres. Hey! On va aller voir les commentaires vite fait. Tract qui me dit qu'il ne viendra plus jouer. C'était blague. Ben écoute, ton texture pack, c'est mon préféré pour une annexe. Tu pourrais faire un dôme vitré pour voir les étoiles. Ça, c'est une excellente idée. Ce que je vais travailler dessus aujourd'hui, il va y avoir un dôme vitré dessus. Pour l'éclairage, je pourrais utiliser de la glowstone avec texture pack fax. Elle est jolie. Et pour les fenêtres, la teinte foncée serait cool. Parfait, très bon conseil. Pour ce qui est du glowstone, oui, il est beau avec Sfax, mais je sais pas si je vais durer avec Sfax tout le temps. Fait qu'il faut que j'aille. Moi, je fais les affaires pour que ce soit beau avec le texture pack par défaut. Comme ça, je suis sûr de mon coup. Il y a Trax qui veut entreposer des statues horribles dans mon musée. C'est mon préféré. Bon, Megazepitou, c'est son texture pack préféré. Ou sinon, le Fateful 32 qui aime bien. Lui et tout, il est d'accord, les teintes foncées pour les fenêtres, c'est probablement c'est cette direction que je vais prendre. Des teintes colorées pour les corridors, ça c'est une idée par exemple. Le plafond, je pensais, comme l'entrée, je pensais faire le plafond en vitre coloré, faire un beau vitrail. Ça c'est une idée qui m'a donné, excellent. Ok, il y a Sensei Lee qui. D'habitude, j'ai ma boss pour choisir les couleurs. Probablement qu'il parle de sa copine. Moi aussi, habituellement, c'est ma copine qui choisit les couleurs de la maison. Mais dans Minecraft, je m'évade. Puis là, c'est moi qui décide. C'est moi le boss. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Puis qu'elle me dise quoi faire. Il aime le texture pack et tout. Il aime l'idée des pavillons. Ah, c'est ça, pavillon. C'est le mot que je cherchais. Je trouvais jamais. Ah. Des espaces à air ouvert, il va y avoir des espaces à air ouvert fermés. Voilà. Lui qui s'amuse, pourquoi pas faire une aile dédiée aux machines de ta ville après tout. Après, pour les plantes, tu peux les faire cubiques, de belles plantes cubes. Ouais, ça c'est un fait, mon grand. De Kuruto, c'est les voyages de consommation. Je connais pas beaucoup, je voudrais savoir si je peux jouer avec toi. Hein. Malheureusement, de Kuruto, tu peux pas venir jouer sur le serveur. C'est invitation seulement, c'est serveur privé. Invitation seulement, puis je prends pas n'importe qui. Je dis pas que t'es n'importe qui, mais je te connais pas.
Bon, ok, c'est assez. Ouh, c'est de nuit. Ouh, ça va être dangereux. On n'a pas peur du danger, nous autres. Et puis je vais l'attaquer avec un repeater. Un comparateur. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mon idée. Ça va être un biodôme. J'avais dit biosphère, dernier épisode. Pas le dernier épisode, c'est vrai. Vous avez manqué pendant le stream. Vous avez manqué bien des choses. Samedi passé, j'ai fait un stream. Première partie, j'ai fait du Space Engineer, un autre jeu. Après ça, je suis venu ici sur Poutine Craft. Le Zirage s'est joint à moi dans l'appel. Et on a parlé de ça. J'ai dit ce que je voulais faire. Il a commencé à m'aider. On a découpé la montagne ici, comme vous pouvez voir. Il y avait une montagne. Là, il n'y en a plus. Ouh, c'est magique. Puis, je vais faire un biodôme. J'avais dit biosphère pendant le stream, mais c'est le biodôme le mot que je cherchais. Puis là, je veux que la vitre parte de là. Ça va être la vitre va suivre cette forme-là jusqu'en haut. Puis, dans mon biodôme, il va être pas tous les biomes, parce qu'il y a beaucoup de biomes, puis je peux pas tous les faire rentrer, mais il va y avoir les principales. Ici, j'ai déjà commencé. C'est ça que j'ai fait hier dans la vidéo, que j'ai perdu le son. Ici, ça va être un désert. Ça va représenter le désert. C'est pour ça qu'il y a autant de sable. Ça va être les biomes qui sont petits. Il est pas habitué à survival. Perdu. Habitude. Comment on écrit ça, habitude? Habitude de survival. Voyons. Hey, j'ai bien de la misère à écrire, là. Donc. Habituellement, je joue en mode créatif pour construire pis ça. Bon, comme je disais, j'ai-tu vu son nom, hein? J'ai-tu vu son nom quelque part? Ok, je l'ai signé. Biome désert, après ça, ça va devenir une plaine. Il n'y aura pas d'arbres, juste du gazon. Peut-être faire un petit lac ou quelque chose. Après ça, ça va être une forêt. Non, je voulais tuer celui devant moi et j'avais pas vu le temps. Ils sont intelligents. Fait qu'ici, je vais à la forêt. Ça va monter tranquillement en altitude. Une petite pente douce ici. Peut-être, genre. Tiens, on va sortir le petit doute un peu. Peut-être le continuer de même. Waouh! C'est. Zouin. Zouin. Il n'y a plus de base. Je vois ça là. Fait qu'une petite pente douce ici, s'il va y avoir des arbres. Après ça, une pente un peu plus à pic. Ah, la merde. Fait qu'un peu plus à pic, ici ça va être des épinettes. Ça va être encore des herbes, mais là ça va transformer épinettes. On va peut-être mettre du podzol, puis de la mossy cobblestone. Puis encore plus haut, mais là ça va être de la neige. Je vais faire le même pour représenter la haute altitude. Je pense que ça va être cool. Mettre des petits arbres, peut-être mettre une petite rivière, quelque chose. Planter des animaux. Faire pousser des animaux, quelque chose comme ça. Non, je veux mettre des animaux définitivement. Essayer de trouver quelques loups, des vaches, des moutons, des cochons. C'est ça, des irages, peut-être. Fait que c'est ça. Fait que je vais travailler là-dessus. M'avancer un petit peu. Je ferai pas ça à la caméra parce que ça va être long. Pas que ça va être long parce que c'est dur à se concentrer. Surtout que ici, c'est des formes organiques qu'il faut que je fasse. Tu sais, je peux pas aller en ligne droite. Faut. Hey, toi, ça fait là. T'es même pas le bienvenu. Va-t'en. Puis aussi, ah c'est vrai, puis à ce bout-ci, en dessous, cette porte-là va donner sur une caverne. Je vais aussi représenter les cavernes, parce que les cavernes, c'est une grosse partie de Minecraft. Ha ha! You die! You dead! Les cavernes, c'est gros. Hey, lui, on le tue. Je m'essaye. Tiens, prends ça. Sale tête. Ouh! Je sais pas, j'en ai parlé là. Bon. Fait que ça, il faut que je fasse des formes organiques, puis parler, puis faire des formes organiques en même temps, c'est pas évident. Déjà que c'est dur de faire des formes organiques, on peut peut-être, tu sais, comme. Je peux pas prendre des lignes directes parce que ça représente pas bien la nature. Hey, 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 wow, 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 wow.
Bon, fait que je vais vous couper ça là, je vais travailler un peu là-dessus, puis moi j'ai des progrès puis tout ça, je vais vous ramener, OK? Ah, fait que ça, ici, m'a fait une caverne, comme vous pouvez voir en haut, j'ai placé beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocs. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Regardez bien ça. Préparez-vous à tomber en bas de votre chaise. Non, je blague. Désert, hein? Des cactus. C'est comme ça qu'on sait que c'est un désert, c'est parce qu'il y a des cactus. Plaine avec un petit lac, il y a souvent des petits lacs dans les plaines. Oups, la plaine a fini. Oh, on arrive dans une forêt, une petite forêt avec des beaux petits arbres. Là, j'aurais peut-être bon de mille un petit peu plus. Oh, mon Dieu. Mon inventaire est légèrement plein. Peut-être un petit peu de bon de mille ici. J'ai pas bon de mille partout parce qu'on, comme vous pouvez voir, c'est encore en train de pousser. Le gazon. Un ici, un là. Peut-être faire un double de même, un double ici. Puis toi. Ouais, ok. C'est ça. Hello! Fait que là, on peut montrer ici, là, ça n'a pas encore tout à fait poussé. Puis en... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié la neige. Si m'a couvert ça de neige, ça va être le plus haute altitude. Je crois. Je crois très fortement qu'il va falloir que je fasse ça plus haut. Des arbres. Au moins 4-5 blocs de plus. Ça me décourage un peu. Parce que c'est ça. 4-5 étages de plus, ça faisait beaucoup, beaucoup de clés. Puis en plus, j'ai pas fini ce mur-là. C'est pas grave, ma façon de les épisodes sera pas tout de suite. Fait que ça, fais ça plus haut, mettre une chose de vite, un dôme de vite par-dessus. Comme ça, les invités du musée, les clients ne seront pas attaqués par les méchants zombies, les méchants creepers. Comme vous pouvez voir, on voit dessus. Non. Ah, on peut remonter. Breath of Fire. Il est mort deux fois par creeper, une fois par zombie. Hey, quand en parlant de creeper. Et voilà. Merci, Monsieur Creeper. Vous démontrez ce que je voulais dire. C'est ça. Fait qu'avec un dôme de vite, on va être en sécurité. Donne-moi ton XP. Donne-moi ça. Donne-moi. Là, j'ai amené d'autres bidules, machin. Truc. Parce qu'ici, c'est une forêt épinette. Puis, ça prend une coupe de place avec du pot de zol. Fait que, ici, peut-être, quand là, ça va être du pot de zol. Ça va être ce stuff-là, ici. J'en mettrai pas partout. Il y a aussi, il faudrait que je mette une place, peut-être connectée après ça. Mettre du coarse dirt. Ouais. Eux autres, ça va être du coarse dirt. OK. Il est où mon coarse dirt? Coarse dirt. OK. Coarse light. Fait que ça va être mon coarse dirt parce que ça se trouve dans ces forêts-là, dans les taïgas. Puis il y a aussi dans les taïgas quelque chose qu'on retrouve que je vais faire vite fait avec du massé. Il y a des, comme des petites structures comme ça. Puis, oh, pas là. Ça fera pas beau. Peut-être ici par exemple, comme ça. Peut-être en faire un autre. Attends. Ici. Ouais, ici, c'est vendu. Ça va être direct sur la bordure de la forêt. Entre les deux forêts. Ça va indiquer qu'il y a une forêt taïga qui s'en vient. Ouais. Fait que là, il faut juste attendre que tout ça pousse. Que je mette la neige en haut là. Je fasse la caverne en dessous. J'agrandisse les murs. Je fasse un dôme en vitre. Le dôme en vitre, lui, ça va être long. Là! Je pensais faire un dôme, là, mettre une tente, mais je suis un peu réticent parce que ça veut dire la teinture que je vais avoir besoin, ça va être beaucoup. Puis il y a pas des, y a des teintures que je peux pas avoir en quantité industrielle. J'irai pas avec un dôme noir, c'est sûr. Pas rien de foncé. Peut-être blanc ou gris pâle, celui qui a de l'air quasiment transparent. Ou peut-être bleu pour faire un ciel bleu, comme ça même quand il mouille, le ciel va être bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne votre opinion là-dessus. Je vous donne le choix entre blanc, gris pâle ou bleu. Ça, c'est des teintures que j'irai avec pour la vitre en haut. Fait que je ne ferai pas le dôme tout de suite. Je ne ferai pas le toit tout de suite. Je vais attendre d'avoir plusieurs de vos réponses dans, dans les commentaires en bas. Là, regardez en bas. Non, ça, c'est de la stone. c'est pas un commentaire, ça. Fait que je ferai pas le dôme tout de suite, mais on fait cuire la vitre tout de suite, par exemple. J'en ai ramassé beaucoup. J'étais, il y a un désert par là-bas, quelque part. J'ai ramassé beaucoup de sable et je vais me mettre ça à cuire pour pouvoir faire de la vitre. Les portes, j'ai pas
trouver les portes des idées encore. On va travailler là-dessus, c'est pas la fin du monde. Hein? Ok. Puis ici, la caverne. La caverne. Ça va être. Ça, je pense que ça va être un peu plus dur. Faut que je me ramasse des minerais, un peu de fer. Quel autre minerai qu'il y a? Des diamants. Non, je ne mettrai pas de diamants là-dedans. Du redstone, peut-être un peu pour décorer les murs. Ça me prendrait de la gravelle. Il va falloir même me décorer. Moi, faire ça, je pense que je vais la faire entre les épisodes. Puis je vais vous dévoiler ça en grande première, prochain épisode. Wouhou! En passant, prochain épisode. Là, je suis un peu court en temps. Il va falloir que j'abandonne. Ce sera pas long. Pour les prochains jours, je vais dire une semaine, m'a joué sur le côté secure. Il y aura peut-être pas beaucoup d'émissions qui vont sortir de ma part. Je vais être occupé de. Je m'en vais de la maison pour 2 jours, premièrement. Je vais subir une légère petite intervention chirurgicale. Inquiétez-vous pas, c'est rien d'important. C'est quelque chose. Pour ma santé. J'ai pas de problème de santé, mais avant d'en avoir, c'est ça. Je rentre pas dans les détails. C'est une petite opération qui est extrêmement mineure, qui dure à peu près 1 heure. Fait que. Mais c'est à 4 heures de route d'ici, fait qu'on prend une chambre d'hôtel là, on couche là ce soir. Demain, on a l'intervention chirurgicale. Demain soir, on couche encore là, puis on vient. Puis après ça, ce soir, je suis un peu fatigué. Peut-être que je serai pas dans le mood ben de faire des épisodes. Fait que, juste vous avertir d'avance, qui va peut-être manquer des épisodes. Là, je me suis dépêché, je voulais faire sortir au moins cet épisode-là. Fait une couple de jours, je suis occupé, il se passe des affaires, en tout cas. je voulais au moins sortir un épisode avant que je parte. Pour pas que vous ennuyez le bois. Pour pas que vous m'oubliez. Vous m'oublieriez pas, hein? En plus. Fait que c'est ça. Je vais terminer l'épisode là. Je sais pas si ça va être long ou court. Je pense qu'elle va être à peu près normale. On va voir. Fait que si vous avez apprécié l'épisode, si vous aimez mon idée de biodôme, on va sûrement décorer un peu plus. Entre les épisodes. Cet épisode-ci et la prochaine. Je vais peut-être. Je sais pas, je pensais rajouter peut-être une petite rivière ou quelque chose qui descend. Je mettrai pas les animaux tout de suite parce qu'ils peuvent sortir. Ça, c'est définitif, mais il va falloir que je. Ben, je pourrais peut-être les amener et les mettre dans un petit enclos pour le moment. Puis même que ça soit fermé, je pourrais les relâcher. Je pensais peut-être aussi, tantôt, pourquoi je fais pas ça? Faire une entrée de ma caverne, genre peut-être ici. Une petite entrée de caverne, après ça on descend, puis on rentre dans la caverne interne, qu'on peut sortir par d'autres portes. Anyways, on va travailler là-dessus entre les épisodes, on va décorer ça, on va augmenter, on va augmenter, on n'augmentera pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là. Mon cerveau, des fois, il fait ce qu'il veut. Hein. Il me consulte pas avant de dire des affaires. fait que c'est ça. Si vous avez apprécié l'épisode, si vous aimez mon biodôme. Cliquez sur j'aime. N'oubliez pas votre opinion sur la couleur du toit du biodôme, de la vitre du biodôme. Bleu ciel. Je pourrais aller pour bleu ciel dans le fond, ça me coûtera pas trop cher. Fait que bleu ciel, gris pâle ou blanc. C'est vos options. Et dites-moi votre opinion là-dessus. Puis si vous avez d'autres idées ou quelque chose, gênez-vous pas. Mais c'est ça. J'aimerais avoir votre opinion. Puis bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Ça, c'est très important. Hein? Très, très important. Bon, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.